Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche le 10 janvier, puis je dois organiser toutes mes choses pour ma prochaine session de cégep qui commence dans 15 jours. Je sais que je suis comme un petit peu à l'avance, mais je sais que plus que l'école va s'en venir, moins ça va me tenter. Fait que c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. So guys, let's organize together today! Yeah! La principale chose que j'ai à faire aujourd'hui, c'est faire mes cartables, classer ça par cours que je vais avoir, puis aussi faire le tri dans mon coffre à crayons. Je fais ça à chaque début de session pour être sûre d'avoir genre juste le stock que j'ai besoin, sinon je traîne trop de stock. Fait que guys, si vous êtes pas abonné à ma chaîne, mais je vous invite à le faire, puis aussi vous pouvez vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube que je viens de créer. J'ai créé cette deuxième chaîne-là suite à une forte demande de plus de vidéos avec mon cheval, puis je me suis dit que ben, ça pourrait être une bonne idée de créer une deuxième chaîne juste pour ce contenu-là. Et que si ça vous intéresse, ben vous pouvez aller vous abonner, le lien de ma deuxième chaîne va être en description. So, let's get started guys! Also guys, j'ai oublié de vous dire, mais le hoodie que je porte en ce moment, c'est le hoodie d'une toute nouvelle compagnie québécoise, puis c'est aussi un hoodie que je porte littéralement genre tout le temps, il est tellement confortable. C'est le hoodie de la compagnie Identity, leurs produits sont vraiment de bonne qualité. Puis si vous êtes intéressé à encourager une toute nouvelle compagnie québécoise, ben toutes leurs informations, leur Instagram, leur site internet vont être en description. Ok guys, so, on va apprécier mon outfit de la journée. So, ça va être ça, parce que bah, ça me tente pas de m'habiller. Fait que la première chose que j'ai à faire, c'est je vais regarder mon téléphone, il est là, il est comme branché, j'ai oublié de le brancher cette nuit. La première chose que j'ai à faire, ça va être de regarder les cours que j'ai prochaine session, je crois. En fait, je sais que j'en ai 5, mais je crois que je vais juste me préparer pour 4 cours. Puis c'est aucunement que je le fais pas au complet, c'est juste que ce cours-là, je risque vraiment fortement de l'annuler. J'ai finalement décidé qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie, puis ben pour ça, ben j'ai pas besoin de mon troisième cours de maths enrichi qui est algèbre linéaire. Pour vrai, après 2 cours de maths enrichi, je suis un petit peu étonnée des maths, fait que je pense que si j'en ai pas besoin, je vais l'annuler pour, je veux dire, c'est quand même un énorme cours. Fait que ça me simplifierait vraiment la vie de pas l'avoir. J'ai trouvé ma liste de cours pour la prochaine session, ça va être philo 3, français 4, édu. Nutrition. J'ai juste 4 cours parce que comme j'ai trouvé qu'est-ce que je voulais faire, ben ça, je m'en vais en technique pour faire ça. Je m'en vais en design intérieur. Fait que je m'en vais en technique, puis ben, les techniques sont reconnues pour avoir beaucoup de cours. Dans les techniques, t'as déjà beaucoup de cours qui concernent juste ton programme. Fait que mettons, moi dans ma première session de technique, si j'avais pas déjà fait tous mes cours de base, j'aurais 9 cours total. Ce qui est énorme, guys. C'est plus que 40 heures semaine à l'école. Puis ça, c'est juste les cours. 40 heures et plus sans, genre juste avec les cours, puis là t'as pas l'étude là-dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de juste rentrer à l'automne prochain. Comme ça, ben j'ai le temps de finir mes matières de base. Puis ben ça va être beaucoup plus relax à chaque session que je vais faire. Je sais pas si le lightning est bon. Hein. On va juste s'avancer ici, ok. Je sais pas si ma caméra est sur le bord. Est-ce qu'elle tient? Je ne crois pas. Ok, je pense que l'image va être mieux. Pour ceux qui vont commencer bientôt au cégep, je vais vous donner un petit truc. Prenez un cartable pour chacune de vos matières. Pour tout ce qui est cours de base, donc français, anglais, édu et philo, prenez des cartables de 0,5 pouces à 1 pouce, puis maximum 1 pouce et demi, dépendamment du cahier ou des feuilles que vous mettez dedans. Je vous dis de vous en prendre un pour édu parce que comment ça marche les cours d'édu au cégep, c'est que vous avez 3 ensembles. Donc on a 3 cours total dans le programme qui sont des cours de base, donc 3 cours d'édu. Donc on a l'ensemble 1, 2 et 3. Dans l'ensemble 2, t'as pas de cours théoriques. Mais dans l'ensemble 1 et 3, t'as un cours de 1 heure par semaine, je crois, où est-ce que tu fais de la théorie, où est-ce que tu réponds des questions dans une classe. C'est ça ton cours d'édu, une fois par semaine. So, la première chose que j'ai à faire, c'est que je vais prendre mon big cartable. Comme j'ai un gros cartable dans mon garde-robe qui est... il est juste en haut. Première session de cégep, j'ai fait l'erreur de ne pas avoir de cartable. Puis c'était vraiment pas une bonne idée parce que j'étais pas organisée. Deuxième session, j'ai fait l'erreur de tout mettre dans le même cartable. Puis ça, c'est bon, mais pas tant bon parce que c'est vraiment difficile de se retrouver à travers tes matières, même si t'as des séparateurs. Là, j'ai dans ce cartable-là, genre, toutes les feuilles lignées du monde. Je pense que j'ai un paquet de 300 feuilles que j'ai pas encore utilisé. Fait que je vais prendre ce paquet de feuilles-là, puis je vais le mettre dans les cartables que je vais avoir besoin cette session-ci. Le cartable, il est juste là. Fait que je vais aller chercher, puis à l'intérieur, c'est juste des feuilles mobiles. Fait que je vais aller chercher ça, puis je vais le mettre sur mon lit, puis après, je vais aller dans ma librairie personnelle.
primaire, genre des nouveaux cartables à chaque année. Ce qui fait que maintenant, on a vraiment beaucoup de cartables genre dans le sous-sol qu'on n'utilise pas. Fait que à chaque année, ce que je fais, ben, ou à chaque session, je m'en vais reporter les cartables que j'avais session passée, puis j'en prends d'autres. Comme ça fait comme si j'en avais des nouveaux, mais comme je réutilise les années d'après, les sessions d'après, genre ceux que j'ai pas besoin. Okay, ben, j'ai pris tout mon stock. Fait que dans le fond, j'ai été vraiment chercher comme un ancien cartable que j'avais parce que j'avais pas besoin de tant gros puis je savais que je l'avais à quelque part. Fait que j'ai été vraiment chercher dans mes boîtes de déménagement. Ouais, jusque là. Fait que j'ai pris ce cartable-là pour nutrition parce qu'il est pas tant épais puis je pense pas que ça va être une aussi grosse matière que comme français philo. J'ai pris aussi ce petit comme duotime-là, ben... C'est comme, on appelle ça un duotime, mais c'est la marque, c'est pas duotime. J'ai pris ce cartable blanc-là, puis je crois que je vais prendre celui-là pour français. Parce que c'est le moins épais des plus gros, puis français, ben c'est quand même moyennement gros. Puis la plus grosse matière, c'est philosophie. Fait que j'ai pris ce cartable mauve-là, puis pour vous dire à quel point on garde tous les cartables. Celui-là, il date de quand j'étais en 6e année. Bon, on voit pas à cause du soleil, là. Mais il est vraiment marqué Élodie Aubuchon, 6e année. C'était mon portfolio, pour ceux qui s'en rappellent au primaire du portfolio. C'est là que tu mettais comme toutes tes œuvres d'art que tu faisais, puis tous tes travaux que tu étais fière dans ton portfolio là. Ok, j'ai changé de place pour que vous puissiez voir comment j'organise comme toutes mes choses. Fait que je vais commencer avec mon cartable de philosophie, puis je vais mettre dans pas mal toutes des feuilles mobiles à part dans ma reliure de déduit parce que genre ça va être compliqué à rentrer. Ok, fait que la première chose que je vais mettre dans mon cartable de philo, ça va être des feuilles mobiles parce que en philo, tu prends vraiment beaucoup de notes. Fait que on va essayer de rentrer tout ça. Comme ça. Ok, en philo, tu mets vraiment beaucoup de feuilles mobiles parce que même ça, je pense que ça va être pas assez pour vrai. Je vais mettre aussi deux séparateurs en philo. Un pour les notes de cours, puis un autre pour les documents qui vont nous être donnés. Et ben, dans le cartable qui est ici, j'ai vraiment de la misère. Ok, fait que j'ai mis mes feuilles mobiles en dessous. J'ai mis ici un séparateur pour mettre comme tout ce qui est... feuilles de notes. Je vais mettre aussi tout ce qui est lecture et je vais mettre comment ça s'ouvre? Et je vais mettre deux pochettes transparentes pour tout ce qui est documents parce que quand t'es à la maison, t'as pas de perce-trou pour comme tout ce qui est feuilles. Fait que tu dois soit les mettre dans une pochette, soit genre percer des trous toi-même, ce qui est vraiment pas évident. Fait que c'est tout pour le cartable de philo. On va passer pour le cartable... Ça, j'avais dit, c'était nutrition. Fait que nutrition, honnêtement, j'ai pas fait de cours avant. Fait que je sais pas si ça va avoir l'air de quoi. Fait que en nutrition aussi, à guess que je vais avoir besoin de feuilles. Je vais en mettre comme un petit peu. Puis, je vais mettre aussi un cahier pour prendre des notes. Comme ça, on sait jamais. Okay, fait que pour nutrition, j'hésite à me prendre juste ça. Je vais aussi racheter comme une seule pochette plastique parce que, ben, à guess qu'on va avoir des documents. Mais sinon, je pense que tout le reste que je vais faire, c'est que je vais le faire dans ce cahier-là qui est vraiment cute. Puis que je vais prendre ce cahier-là puis je vais le mettre genre juste à l'intérieur du cartable. Fait que je vais prendre ça puis je vais faire ça comme ça. Fait que j'ai un cahier puis j'ai des feuilles mobiles pour nutrition parce que pour être honnête, je sais aucunement à quoi m'attendre. Pour éducation physique, je l'ai dit un peu plus tôt, mais je pense pas que je vais faire quoi que ce soit dans ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est je vais juste prendre ce cahier-là puis je vais le mettre à l'intérieur dans la pochette juste ici. Parce que je pense que pour éduquer, au pire, comme... Tu sais, je vais avoir ma pochette pour traîner mon cahier, puis si j'ai des documents, je vais le mettre dedans. Et le dernier cartable, c'est pour français. Fait que français, c'est mon dernier cours à vie de français. Je suis vraiment contente, mais je vais quand même mettre énormément de feuilles lignées. Parce que c'est vraiment... On prend des notes en français, là. La session d'hiver passée, comme la session où est-ce qu'on est toutes tombées en confinement à cause du COVID, j'ai eu un prof qui, dans les débuts de mon cours, on ne fait aucun français. Là, pour vrai, tout ce qu'on faisait, on checkait genre des statistiques du Québec, on checkait genre la population. Pour vrai, j'ai jamais eu un cours de français qui ressemblait aussi peu à du français. On faisait toutes sortes du français, genre de l'histoire, on faisait de la géo, on faisait des maths, des stats. Et pour ce cartable-là, je vais prendre un séparateur orange pour tout ce qui est mes notes de cours, un autre aussi pour tout ce qui est documents à lire. Puis, je vais mettre aussi des petites pochettes transparentes. Ok, so, all done pour mes cartables. Maintenant, on va s'en aller dans mon coffre à crayons. J'ai beaucoup de surprises dans mon coffre à crayons. Ok, so, dans mon coffre à crayons, j'ai un petit coffre à crayons bleu, pop-in. Pour vrai, ça coûte vraiment cher. Je vous conseille pas tant, il est cute, là. Il est cute au bout. Il est vraiment de bonne qualité. Ça coûte 12$ juste le coffre à crayons. Oh là là, ok. Je vais vider tout mon coffre à crayons, lui.
c'était ça, j'avais pas pensé à ça. Ok, ce crayon-là, on peut jeter. Fait que tout ce qui est ces crayons-là, attends, faut que je trouve les autres. Le orange ne fonctionne plus, fait que je crois que je vais le jeter, ce qui est vraiment triste. Je sais plus lequel fonctionne mal là-dedans, mais il fonctionne encore. Ok, I guess que ça va être chill. Fait que ces crayons-là, je les garde. Après ça, j'ai ce crayon-là, ce pousse-mine-là, je sais pas comment il est atterri, mais I guess que c'est toujours utile d'avoir un pousse-mine de backup. Fait que ce pousse-mine-là et ce pousse-mine-là, je les garde, même si c'est pas les mêmes mines, je crois. Mes effaces, of course, que je les garde. Là, j'ai définitivement trop de stylos. Fait que j'ai lui, 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 j'ai lui. Ouh, j'en ai échappé. J'ai lui aussi, le rose. J'ai lui, j'ai lui. J'ai vraiment beaucoup trop de stylos. Ces deux-là, ici, c'est sûr que je les garde. Le rouge puis le mauve. Tu sais, je veux dire, c'est pas des couleurs que j'ai d'autres. Fait que ceux-là, je les garde. Lui aussi, parce que ben, c'est un stylo vraiment cute. Puis comme pour vrai, je l'ai acheté genre au Dollarama. Puis il t'a vraiment... Là, c'était deux pièces pour un paquet de trois. Puis comme, ils valent la peine. Ah, c'est vrai, j'en avais quatre comme ça. Fait que ceux-là, je vais les garder. Ils marchent vraiment bien. Lui, c'est la même chose que le rose. Fait que je dois le garder aussi. Le reste, je pense que je vais les mettre dans ma chambre. Puis je vais m'en servir quand je vais être ravie. Parce qu'ils sont lignards, honnêtement. Ils fonctionnent encore pour vrai. Des mines, c'est sûr que je garde ça. Puis une clé USB. Fait que voilà pour ça. Mon cup à crayon, il est beaucoup moins plein. Genre. Mais la question là, que je viens de penser. Puis que j'avais vraiment oublié. C'est ces crayons-là. Je sais, mais où? Mais je pense que je vais prendre ceux-là, puis j'espère qu'ils vont rentrer. Oh! Ça fait un peu fade. Je suis comme trop de crayons, guys. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'enlève? Oh mon dieu, pourquoi il y a rien qui rentre à 100%? Ça me gosse. Tout a fermé. Tout a fermé. Mon dieu, je viens de découvrir le meilleur truc de l'univers. Genre mon coffre, il fermait pas parce que tous les crayons étaient du même sens. Tous les bouchons étaient du même sens. Mais faites l'inverse, genre moitié-moitié, puis ça rentre. Genre, mon coffre à crayon, il est fini, il est all done. Ok, fait que la chose qui reste à faire maintenant, c'est de tout placer ça dans ma petite bibliothèque. Fait que on va aller placer ça, je vais essayer de trouver une belle manière de placer tout, le tout, dans le fond. Ma chambre, guys, c'est vraiment like a big mess. En ce moment, comme, ça n'a pas de bon sens. J'ai vraiment sorti le gros bordel dans ma chambre, là. Ça n'a pas d'allure. Genre, j'ai des feuilles, là, que je me sers plus. J'ai ça qui est acheté. J'ai comme mon reste de crayon, là. Mon cartable, là. Ça, là. Ça, là. J'ai comme des feuilles que je viens de me rendre compte que, genre, j'ai plus besoin. Puis là, j'ai ça que je viens de finir, qui est des chocolats. J'ai, genre, un gros bordel. Puis comme... C'est dans cette case-là que je mets tous mes livres, dans le fond. Je pense pour vrai, ça va rentrer, là. Je veux dire, c'est assez grand, là, comme... tout pour cette vidéo là, j'espère que vous avez apprécié, puis j'espère que vous avez aimé comme get organized with me. Fait que si c'est le cas, ben n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner parce qu'il y a plein de fou contenu qui s'en vient, puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube où est-ce qu'il va y avoir juste du contenu équestre, puis n'hésitez pas à vous abonner à mes comptes Instagram, tout ça va être en description. Fait que sur ce, ben nous on se revoit et on se repart dans une prochaine vidéo. Bye guys!